Mais normalement, je crois que si. Pierre. Madame, racontez-moi, vous étiez chez vous, qu'est-ce que vous avez entendu? Bon, on a entendu une explosion chez nous, ma fille a paniqué, on a dû descendre toute vitesse pour descendre, et là on a vu l'immeuble à côté qui brûlait. L'explosion, c'était comment? Vous pouvez me décrire le bruit? Mais vraiment une explosion, je ne peux pas vous expliquer, comme un truc qui pétait, comme une voiture qui explosait. Et quand on est descendu, il y avait le feu dans l'immeuble. Et des gens qui faisaient des signes avec leur portable pour les aider. Et les pompiers, ils sont venus. Le feu était à quel étage? Il était important? Je ne sais pas combien d'étages c'est, mais c'était l'avant de l'étage. Okay. Et les flammes, elles étaient importantes? Décrivez-moi un peu ce que vous avez vu. Je ne peux pas vous expliquer parce que c'était déjà un bon moment. Mais ça, franchement, je crois que ça vient de la cuisine et qui a pris le salon et par la suite... comment les chambres à coucher. Vous avez eu peur quand vous avez... Oui, on a eu peur. C'est pour ça qu'on est descendu parce que comme les meubles, quand même, elles ne touchent pas à côté, mais au cas s'il y a le feu qui peut avec le vent ou autre, on a préféré descendre. Et une fois en bas, comment c'était quoi l'atmosphère? Qu'est-ce qui s'est passé? Beaucoup de monde. Les gens ont eu peur. Beaucoup d'enfants aussi qui étaient ici. Et là, on a vu depuis quelques temps les gens qui reviennent de l'immeuble un peu blessés et autres. Racontez-moi, vous étiez chez vous, vous avez entendu l'explosion? Voilà, j'étais chez moi. Parlez bien fort. J'étais chez moi, j'avais tout rechaussé là, j'étais chez moi. J'ai entendu un gros boom. Je ne vous cache pas qu'au début, je pensais que c'était un feu d'artifice. Voilà, bon, après, je sortais par curiosité. Et plus je m'approchais vers l'intersection, à côté de chez moi, plus je voyais une grosse flamme avec la chaleur. Et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment une explosion. En plus de ça, j'ai vu des bouts de verre, des éclats de verre propulsés. Donc voilà. Il y avait le feu, c'était... Il y avait le feu. Et au moment où je voulais appeler les pompiers, j'ai entendu la sirène. Donc les pompiers, ils étaient déjà en route, quoi. Vous avez eu peur sur le moment? Ah oui, j'ai eu peur. J'ai peur pour moi, j'ai peur pour mes enfants, j'ai peur pour tout le monde. Voilà.
Qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sorti avec les pompiers? Qu'est-ce que vous avez fait après? Bah, je suis sorti avec mon fils là, derrière la côté. Voilà. Et vous pensez qu'il y a des blessés? Qu'est-ce que c'était quoi l'atmos? Bah, les blessés. J'ai vu le pompier avec des brancardiers. Donc là, ça m'a fait peur encore plus. Voilà. Les femmes, elles étaient grosses, c'était impressionnant. Ah oui, vraiment grosses. Impressionnantes. La chaleur et tout est vraiment importante. Thank you.